Oh là là là! Quelle va être la suite pour Kram? Quelle va être la suite? Putain, j'ai envie de faire la star et de postuler dans aucun poste, c'est eux qui viennent me chercher. Mais vas-y, ça. Ouh là là là. Ouh là là là. Faut postuler, j'ai postulé là, j'ai postulé, wesh. Candidature enregistrée par l'URC Lens. Il y a Lens et LOSC là. Et le LOSC. On espère que quelqu'un va accepter, hein. Pour l'instant, je favorise la Ligue 1, les gars. Vas-y, entraîneur de l'US Bologne Côte d'Opale. Laisse-moi, frère. Ça y est, wesh. Ce sont des meilleurs trucs que Valenciennes. En Clio Société. Muller signe un nouveau contrat de 2 ans. Taille. Ouh là là là. Là, il n'y a que eux, frère. OMG QPR. QPR, pas mal, hein? Go Brest. Mais non, mais ils descendent, là, ils descendent. Yo. Yo. Si tu allais sauver le prince João Félix, c'est vrai que après bon l'Atlético Madrid, c'est pas encore, c'est la prochaine étape d'après quoi, c'est pas maintenant. Une réponse en mail là. Kram continue à croire en lui. On ne peut pas refuser les clubs hein. Avant ça me refusait Day One hein. J'ai ça, je dis rien. Et en Clio Société. Il y a la Lazio, hein. Ça demande, hein. Cagliari. Attends, ils descendent, non? 16e, non, c'est bon. Ça demande. Brest, ils descendent. En Championship, 17e, tu descends? Non, je crois pas. On sait jamais, des fois, il y a des trucs bizarres là-bas.
Non, loin de la QPR, il y a moyen. Ah, je réponds pas. Je suis le temps à donner à la presse. Merci, Ingra. Ah, moi j'ai vraiment envie de jouer en Ligue 1 là. Les dirigeants de l'USBCO. Frère, je veux pas, wesh. FC Chambly? Vas-y, 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 frère, vas-y, wesh. Eh, j'ai pas le temps, je refuse d'entretien. Y'a que des clubs de national qui me veulent. Travailler pour eux. Hein. Allons, soyez sérieux. C'est ma phrase favorite. Talons nous reconnus. Si, si, frère. T'inquiète. Tu vois. Attends. Ah, Paris FC, ça m'intéresse pas. Paris FC, ça m'intéresse. Hop. Nous, c'est la cause à eux, c'est des comiques. Non. C'est quoi, je vais accorder l'entretien. Non, vas-y, quitte. Quitte, quitte. Ça me demande des entretiens. Et après, ça me dit, vous avez pas assez d'expérience pour le poste. Et ta mère, frère. Bah, je sais pas quoi faire, frère. C'est bizarre, hein. Sinon, il y a les Houston Rockets. Ah putain, c'est bizarre, là, je suis dans la hesse, là. Mais pourquoi ils me les mettent ici, eux, ils... Sécurité de l'emploi, précaire, précaire, ok. Tout le monde est carré là-bas, frère. Non, non, jamais je vais à Guingamp, frère. Ça va arriver, j'attends les réponses, les gars. No joke, faut avancer, j'attends les réponses là. Ok, voilà. Tu vois, eux, ils ont répondu vite, bah, c'est normal. J'ai pas encore le. T'as vu, j'ai pas encore, t'as vu. Non, mais eux, c'est pas tranquille, je m'en fous de toute façon, je vais pas aller là-bas. Le 9-1 en L1. Très. Eh oui, mon pote. Le LOSC, vous voulez pas? Vous allez voir, je vais vous tarter. Je vais vous tarter. Vous voulez pas? Même pas un petit entretien? RC Lens, ils ont des cracks de zinzin. C'est incroyable. Le LOSC, ça va même pas me donner un entretien? Les dirigeants vous remercient d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Nous avons quelques questions à vous poser. Ok, je suis content de m'exprimer. Vous n'avez que très peu d'expérience en tant qu'entraîneur et cela est très un peu préoccupant. Pouvez-vous nous expliquer les raisons? Alors. J'ai des bons résultats jusqu'ici. On convainc. Faut le convaincre, faut le promesse, non? Pouvez-vous nous rassurer concernant votre apparente incapacité à maintenir une bonne atmosphère au sein du vestiaire? Alors non, c'est faux, frère.
Promesse en balle. Le club recherche quelqu'un capable d'atteindre les objectifs de l'équipe en compétition, ce que l'entraîneur n'a pas su faire. Pensez-vous réussir? Frère, je doute pas. Que pensez-vous de travailler aux côtés de notre directeur sportif actuel, Florent Gosfoli? Oui? Mais frère, là, attends, parce que ça veut dire quoi ça? Après, dans FM, je pourrais faire quand même les. Je pourrais quand même faire les. Promesses, frère. Ah, je vais lécher les bottes, frère. Je souhaite renouveler l'équipe technique pour un budget à la hauteur. Ok, je crois que c'est bon les gars, on a trouvé un nouveau club. Je crois qu'on a trouvé un nouveau club, la team. Crois qu'on a trouvé un nouveau club, la team. Alors, jouer un football offensif, mais c'est... Je suis fait pour ça! Je vais mettre l'album. On est fait pour ça. Former des jeunes à l'aide du système, ouais, recruter des jeunes joueurs de moins de 3 ans pour l'équipe première. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça, ma gueule. Rester dans les limites du budget, ok, logique. Recruter des joueurs pour les vendre aux plus-values. Bah, j'aime pas trop ça, mais vas-y. Ligue 1, fin de la saison prochaine, éviter la relégation. Mais monsieur le directeur, on va jouer à la Ligue des Champions, ma gueule! Fin de la saison 2024-2025, terminé en première partie de la... Ok, ça va, frère. Enfin, ils ont pas prévu de gagner la Ligue des Champions, frère. Si vous étiez nommé, nous attendrions de l'équipe qu'elle se maintienne en sachant que nous ne pourrions pas conserver en cas de relégation. Poussez-vous pour faire mieux. Si le poste, je pense, l'objectif de club. Ouais, ça, je peux faire. Je peux le faire. Que pensez-vous d'un budget de transfert d'environ 14,57 millions? Oh putain. Problème, j'ai envie de gratter un peu plus, mais. Ouais, c'est pas mal 14M, hein. 14 patates, mais je pense que je peux gratter à 16 ou un truc comme ça, mais vas-y. Ouais, on va rester raisonnable. Budget salarial, 14 millions, ça va, frère. Hein. Après, j'ai pas envie de, t'as vu. Avez-vous quelque chose d'éventuel? Prendre la tête de l'équipe. Je pense que ce sera tout, frère. S'il vous plaît, recrutez-moi. Voilà, je fais que des promesses. En plus, le LOSC qu'ils ont refusé. S'il vous plaît. Problème, c'est que je pourrais pas faire mon plan, les gars. Je vais me faire virer si je fais mon plan. Merci à Better Zero IQ. Je pourrais pas faire mon plan complet, genre. Derby lance Lille en balle. T'inquiète, frère. Faut qu'il m'accepte, là. Ah. Enlève tes candidatures. Suite à votre entretien, hein, je vous propose de faire part des changements que vous souhaitez effectuer au sein de l'équipe technique du club. Vous aurez la possibilité de demander le recrutement de votre ancien staff tout en étant libre de modifier le contrat. Non, non, non. Les membres du staff des deux clubs ont déjà indiqué quel rôle ils étaient prêts à assumer. Refuse. Attends, suggérer changement. Moi, je veux pas le staff du. Mais je veux juste changer les préparateurs et tout, quoi. Je veux d'abord. Après, on verra, ouais. Je virerai après, ouais.
Ah. Nouveau club, les gars. Je suis Lensois, là, les gars. Je suis Lensois. Let's go. C'est fait. C'est fait, les gars. C'est vrai que j'ai un Fofana. Merci, Uchiwa Sasuke. Poste entraîneur immédiatement, 2 ans, 26K. Ajouter une prime si on se qualifie en Eurocup, en Coupe des Champions. Je gratte 85 000 dollars. Toi, tu t'en fous de ton salaire en tant que coach, ça change rien. C'est pas comme si tu pouvais utiliser la thune. Mais oui, l'équipe. On a ses pairs, l'équipe. La vivance. On l'a fait, les gars. Prévision des médias 16e. Les gars, faites-moi confiance. Alou Diarra. On a du transfert. On a de l'oseille. Grand palmarès. Après, il y a Kalimundo. Fofana. Fofana, Klose. Lisa. La vivance. Prêt actuel. En prêt jusqu'au. Ok. Transfert en cours. Part pour 600K. Jules Keïta. Oh! J'avais oublié, wesh! J'avais oublié ça, grand-mère! Regardez, y'a qui revient, tellement chaud dans le four, gros! Guettez, y'a qui revient, frère! Robaille qui revient, la légende! Lui, je connais pas. Il est moins bon que Robaï, frère. Lui, il est pas mal, Kakuta. Ok. Ça, c'est bon, c'est carré. Présentation de la recherche de joueurs prévue dans 2 jours. Bienvenue parmi nous, ce sera le début d'une grande aventure. Ouais, je vais me. Je vais me présenter aux médias. La vivance. Attends, mais le problème, c'est que là, le directeur sportif va me casser les couilles, non? C'est pas moi qui ai vraiment le. Il va recruter des trucs et tout. Non. Bah non, mais là, regarde, offre rejetée. Ah, il a rejeté l'offre, c'est une légende, frère, c'est ça qu'il fallait faire. C'est qui a demandé ça? Il y a des gens du Fortuna Sittard. Après, on peut pas accepter. Ah, je peux rien faire de toute façon. T'auras le dernier mot. Ok, c'est bon, c'est bon. Créer tactique maintenant. Mais pourquoi ils me remettent le tuto comme si ça faisait pas 15 saisons que je jouais? Non, mais c'est bon, je vais faire la tactique après. Ça y est, frère. On est le 2 juin, frère, s'il te plaît. Responsabilité. Choix de l'équipe, choix de l'équipe 2, choix de l'équipe U19. Recrutement et licenciement du directeur sportif. Recrutement du directeur technique, responsable de prêt. Ouais, c'est moi qui gère tout, hein. Recrutement staff U19. Ça, je peux même le déléguer. Recrutement et licenciement de l'entraîneur du RC Lens 2.
Gouedleu, il est du père à la mort avec les Segundo volantes. Frère, j'ai fait 14 matchs, 14 victoires d'affilée. Je joue qu'en avec des volantes, moi. C'est comme ça qu'on joue, frère. Des ouf. On garde le style de jeu, poteau. Comme As. Incroyable et volant, t'as raison, Kamel. Ah. Ah. Une soutien, une attaque. C'est bien ça ou pas? Moi, c'est ce que je fais en général. C'est lui qu'il faut que je prolonge, le gardien? Ah, c'est pas mal du tout, ça. Mais je crois qu'ils l'ont déjà prolongé. Il est signé jusqu'à 2024. Bref, positive. Rythme normal, passe courte. Centre en force, obtenir des coups de pied arrêtés, première vitesse. Ça, on met rien. En transition, on se regroupe, on reste en place. Non, vraiment, on fait contre-pressing, on reste en place. Relance rapide, relancer vers les défenseurs. Courte relance au pied, c'est bon. Gros pressing, faites un marquage plus serré. Engagez-vous plus, beaucoup plus souvent. Hop là. Il est 2 h, ouais, mais j'ai lancé à minuit, frère. Merci Fracan, merci mon héros. Peut-être à 3 h. Non, mais tranquille. Sur la nationale. Le soleil. Fofana, il aime bien jouer en volante, Let's Go, c'est parfait, frère. Plutôt défensif ou offensif? Offensif, hein. Je pense qu'il prend le poste offensif 100%. Alors, les pas de cut, profitons. Tranquille, tranquille. Attendez 2 secondes. Hop là. Non, maintenant, il faut que je vois. Non, regardez, là, c'est simple. On va faire les choses bien. En général, ça va être ça ma compo. Tu vois, 4-2-3-1, calme, 2 volantes. Ici, je ne mets pas milieu offensif, je mets meneur de jeu avancé en général. Attaque. Comme ça, c'est vraiment mené sur l'attaque. Je mets un attaquant intérieur, à droite ou à gauche, et l'autre, c'est lié intérieur. Et l'autre en face, c'est vraiment attaquant de pointe. Du coup, il va me falloir 2 joueurs par poste. Il va me falloir 2 joueurs par poste. Là, il y a lui. Est signé jusqu'en 2024. Il a joué aujourd'hui, j'ai regardé le match tout à l'heure. 2024, 2024, ok. Les centraux, ils sont bons ou pas? On va aller voir ça. Hein. Les centraux, ils sont bien ou pas? On va voir ce que ça donne les centraux. Ouais, ça va, hein. 1,85 m par contre. Danso, 23 ans. Il est signé jusqu'en 2026. 17 de courage, 15 de DTR, jeu de tête 15, 1,90 m, puissance. Danso, c'est un monstre. Les gauchers ou droitiers? Les droitiers. Doucouré. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est plus un milieu de formation, non?
Sélectionner le meilleur 11, ça sera plus simple. Ouais, mais vas-y, je sais pas s'ils vont ils vont le faire bien en fait. Tu vois, là, ils mettent pas Danso. Ils mettent personne, frère, wesh. Entraîneur adjoint. Y a pas Fofana, y a pas Klose. Non, tranquille, je préfère prendre mon temps. Là, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Medina, il joue central. Il joue central, mais c'est pas une dinguerie, hein. Ça se bicrave en plus, ça fait un Orieux. Regarde les stats de Berg, elles sont folles. Est signé jusqu'en 2026. Lui, c'est ma volante défensive, hein. Berg Fofana, c'est carré, hein. C'est carré de fou, hein. Oublie pas, Roba, il revient. Hein. Ah, mais est-ce qu'on va compter sur lui? C'est ça le truc. Ok. Niveau centraux, Blazic, c'est pas dingue ça. Ça le bicrave, hein. En plus, il est bien payé ce bâtard. Medina. Là, je pense le chantier, ça va être les défenseurs centraux. L'attaque, ça dit quoi? Wesh, on a 4 buteurs. Buteurs. Simon Banza, 25 ans. En prêt du Famalico. En prêt au Famalico, ok. Jusqu'au 2023, ok, il reviendra pas. Ignatius, Ganago, c'est connu. Il est signé jusqu'à 2024. Kalimundo, prêté par le Paris Saint-Germain, mais là, il repart. Là, il repart. Il y avait une option sur le prêt ou pas? Baldé. Son contrat avec le. Il est observé par qui? Observé par l'AS Monaco. Parfait, frère. Après, il est jeune, hein? Il peut ses pairs. Prolonge avec une option. Ah, je peux prolonger le prêt? Openda. On prend qui, frère? Kalimundo, je pense, si on peut prolonger, c'est Yamb. Si on peut prolonger et mettre une option dessus, c'est bien. Baldé, je pense, on vend. Ganago, il a un bon salaire. Ça peut faire une bonne doublure, quoi. Après, j'ai 14 pétards à mettre, hein. On va dire, on met ça là. C'est qui m'a dit de regarder déjà? J'ai oublié sa grand-mère. Prête le Baldé. Je sais pas s'il peut vraiment devenir un crack, frère. Si je peux le bicrave et prendre 5-6 millions, ça me met bien. Hein. Il m'a dit de regarder qui déjà? Openda, 22 ans. Il n'est pas dans mon club, si? Ah ouais, mais tu fous ma gueule ou quoi? Tout à l'heure, je cherchais dans mon club, je trouvais pas. Prêté par le club de Bruges. Il joue à vitesse. En vrai, ça se recrute, hein. Ça améliore un peu sa finition. Après, il a 12 de finition de base, c'est bien. 1m74, bon, c'est il est cheapeux. Le truc, c'est que c'est un buteur, quoi. Ouais. Ah, si. Non, je pense que Kalimundo Ganago, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Maintenant, les ailiers, ça dit quoi ici, les ailiers, les gars? Rejoindra le Inter Miami. Ok, lui, il se taille. Dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Mohamed Ali Chow. Ouais, non, mais Ali Chow, c'est sûr que je vais aller voir. C'est obligé, je vais aller voir. Pereira da Costa, 21 ans, portugais.
14 d'accel, 13 d'agilité, 10 de finition, 13 de dribble. Quatorze en technique. Il a une bonne détermination, du coup il peut step up. Crac lui, ouais. Après, ouais, c'est pas titulaire quoi. Mais le truc c'est que Robaille, c'est pas titulaire non plus quoi. C'est plus une doublure quoi. Il est 10 lui surtout. Ah ouais? Ah c'est vrai qu'il est... Il a l'air pas mal en 10, hein. Il a 14 en passe. 14 techniques. Tu vas pas prendre Bolasie? Je sais pas encore. Attends, frère. Normalement, je prends Bolasie. Obligé, je prends Bolasie. Obligé, je prends Bolasie. Fais-le rentrer en cours de match. Non, mais lui, il est plus 10, hein. Propriétaire, j'ai les clés de la cité. Attends les gars, quand le truc il est bleu, c'est que c'est plus important que le vert, c'est ça? C'est quoi le délire? Ouah, j'avais pas vu le prix, frère. Oublie. Après, ça se négocie. Ah, vous voyez pas? Attention, préparez-vous. Frère, force à lui, hein. Force à lui, hein. Salut, hein. Ah, plus tard, Momo Show. Bon, là, il me faut un 10. Je vais regarder un peu les offensives du club. Attends, reste en bas. Putain, je suis trop con. Alors, attends. Robaï, je sais pas si je vais le ramener en vrai. Enfin, je sais pas si. Le problème, c'est que là, j'ai besoin d'une double. J'ai déjà une doublure. Mais il me faut une tête d'affiche là. Bon là si ça va, il va pas coûter cher. Voilà, c'est à gauche. Il est horrible. Couteau, regardez bien. Virement annuel. Attends, ils veulent 3 millions 6. Wesh, ils m'ont mis une clause. 50 matchs en championnat. T'es d'amère à jouer 49 matchs. Non, ça c'est mort. Je suis un bâtard, il fait 50 matchs. Les amis, c'est fait. Attends son contrat. Enfin, j'attends de voir. De toute façon, s'il demande une dinguerie, je vais pas le prendre, frère. Check, Amine Adli, etc. Attendez. Ok. À gauche, Robaï, Pereira da Costa et Bolasie.
Ok, ça me va, ça me va. On va le mettre lui pendant ce temps ici. Après, frère, j'ai juste à être. Non, il y a moyen. Maintenant, le numéro 10, c'est qui dans ce club? Oh, Corentin Jean. Ah, ça bug. Il est observé par qui? Ah, il est. Par Malaga? Sur la liste des transferts, mais parfait, de toute façon, j'en veux pas. Je compte pas sur lui. Charles Boly, à droite, 23 ans. Les gars, juste explique-moi un truc. Les trucs en bleu, c'est ce que. Ouais, c'est ce qui est prioritaire par rapport aux trucs en vert, c'est ça? Musique trop forte, ouais, désolé, désolé, même moi, m'a cassé la tête. C'est l'inverse, ok. C'est normal, il y en a moins, je suis con. Ok. Ozil Kram. Non, mais ils veulent pas, ils veulent pas. Je pourrais recruter qu'un ou deux vieux max. Ouais, non, Robay, il peut jouer partout. Robay, il peut jouer partout. T'attèges la bouteille, ouais, elle est tombée. Ouais, Charles Boly, je suis pas convaincu de Zinzin, du coup. Ouais. Peut-être trouver mieux. Prends des libres. Ouais, t'inquiète, de toute façon, j'ai. En vrai, j'ai un petit budget, hein. Un petit Adamounas en prêt. Rejoindra la Roma le 1-7-2022. FF, il vient de signer là. Façon, son salaire, il est impossible à payer, frère. Après, il me faut un 10, ça. Ça, avant de regarder les droits, il me faut un 10. Du coup, Wesley Saïd. Ouais. Il est pas mal, mais il est observé par qui? Ah, il est sur la liste des transferts, c'est parfait, frère. Malaga. Malaga, ils veulent nos joueurs. Ok, bon. Ça veut dire que j'ai pas de. Ah, si, mais Kakuta, pourquoi il est pas ici? Je le vois pas. Ah, si, il est là, Gaël Kakuta. Okay, je l'avais pas vu. Si, je l'avais vu lui, je l'avais vu tout à l'heure, je pense. Je suis un ouf. C'est 10 titulaires. Je rapporte dans la fleur de l'âge. Il va me falloir un petit crack en 10 là. Il va me falloir un petit crack en 10 pour la doublure. Et Roba, il peut jouer en 10. Nabil Fekir, tu sais que c'est un bon bail ça, mais bon, c'est pas. Je pense que c'est mort. Ouais, voilà. Ils ont affiché à 95 millions d'euros, frère. Et puis, est bien trop cher, je peux pas me permettre, frère. Guillermé Biro. Le Biro. Les gars, il est pas 10, frère. Ça a l'air d'être un très bon latéral gauche, oui. Ça, y a rien. D'avoir un autre, non? Ah, non. Okay. Il joue latéral gauche ou 10? Vas-y, observe le joueur, s'il te plaît. Joueur actuel mécontent. Pourquoi ils sont mécontents? Attends, a débuté la plupart des matchs. Bah c'est bon, de toute façon les deux, vous êtes des joueurs vedettes. Mais là, Lens, ils ont pas fait une bonne saison dans ma game. Du coup, les Fofana et tout. Bon là, s'il est très intéressé, c'est par des négociations. Temps de jeu, super sub. Vas-y.
Mon Dieu, frère, qu'est-ce que tu me fais super sub, ta grand-mère, je suis l'air régulier, hein. Okay. Lire, il y en a, il veut un gros contrat, l'autre il veut partir. Merde, j'avais pas vu. Ouais, vas-y, vas-y. En plus, ils ont la patience à zéro. Il n'y a pas 400K à la prime à la signature déjà. On va tout revoir à la baisse. Frère, là il est payé moins cher, hein. Elle est demandé moins de salaire en super sub. Ah non, là il prend 85K par mois quand même. Prime de passe décisive à la saison. 10 passes décisives, 60K. 9 passes décisives, il touche plus jamais le terrain. Prime de remplacement non utilisé. Prime équipe de l'année. Ah, prime passe décisive. Prime de match. Prolongation d'un an après match de championnat dernière saison. C'est 30 matchs et tu vas en faire 29. C'est une dingue. Prolongation d'un an. C'est pas ça par pitié. Si, si. On va trop rigoler, les gars. Frère, il est chaud de baisser, hein. Merci, Red Chica. C'est bon, c'est fait. On va trop s'amuser avec Bolasie dans le club, on va trop rigoler sa mère. Je suis obligé de faire la réunion, vas-y, s'il vous plaît, wesh. Comme milieu axial, car à moins de bénéficier davantage dans le jeu, il restera accompli à ce poste sans jamais devenir un naturel. Ah, lui, faut il faut qu'il arrête de s'entraîner en milieu def, ça je suis d'accord. Mais lui, il faut qu'il continue de jouer milieu. Comment ça? Ah, milieu axial, ok, ouais, je suis d'accord. Faut qu'il joue 10, frère. On va commencer à améliorer son mauvais pied. Machado, j'ai pas vu, c'était quoi? Grand un jour, je m'en bats les couilles, il se barre de toute façon. Medina, je pense qu'il faudrait envisager de demander une revalorisation de son contrat prochainement et je vous conseille de débuter une question car il a le niveau pour être dans l'équipe. Je voulais le vendre moi, non? C'est juste un violent. Gros potentiel, les ONG. Waouh. Pas mal pour un petit peu. Baldé, on avait dit on vendait, hein. On le vendait, on le mettait en prêt. Merci, Témion. Je pense qu'on vend, hein. Après, il a 19 ans, il a des bonnes stats, il peut progresser, quoi, mais. Y a pas beaucoup de déter. Je pense que ça se vend, frère. Hein. On gratte 3-4 millions. Après, j'ai peur, il progresse de fou. T'as déjà 4 buteurs. Non, il y en a 2 qui sautent déjà. Malcolm Musquet, latéral gauche. Bah, de toute façon, je n'allais pas m'en servir. Jeune prometteur, je n'allais pas m'en servir non plus, frère. Voilà, ça on va placer les 3. Je pense que David Machado, David Machado ne devrait pas être placé car il fait partie des joueurs les plus importants. Non, juré, il va être placé, frère.
Oh, c'est les. Ça va en vrai. J'ai pas encore regardé à gauche en fait, ça le problème. Le centre de formation pour voir après. Non, ça, vas-y, je vais laisser sur la liste des transferts en vrai. Je trouverai mieux. Je commence à penser que chez Xucura a le potentiel pour devenir un joueur clé de l'équipe et qu'il pourrait atteindre un niveau un peu supérieur à notre niveau. C'est Kofofana chez Xucura. Lui, je l'ai déjà vu. Lui, je l'ai mis dans l'équipe de toute façon, non? Je l'avais monté, non? Charles Boli, sujet suivant. Il est en équipe de B. Non, non, non. Jeune intérieur. Tu. Jeune prometteur. Ah, vas-y, c'est bon. C'est bon. Attends, sa mère. Gotze, pas cher, plus très bon. Attendez, les gars, faut que je note. Voilà, faut que je note là. Faut que je note. Xavi Simons. Je pense au milieu, on est bien. Ça. Je pense au milieu, on est bien. Je vais aller voir les jeunes. José Capone, il joue 10. Pas trop ça. Déjà, c'est mieux, mais. Madame Moudjani, c'est mieux, mais. Staff STP. Après, attendez, là, on est loin de la saison, je crois. Le 30 juin. Lui, il a 18 ans de détermination, ça veut dire qu'il va step up sa grand-mère. Sean Tormin, il peut step up. Faut que j'aille voir les régènes qu'ils ont eu, non, aussi. Ouais, voilà. Ange Olivieri. Merci. Dinguerie, ouais. Il vient de naître, ouais. Facundo Torres en 10. Attends. De toute façon, il me faut une doublure. Hein. Donc, il me faut un jeune qui va pas beaucoup jouer non plus. Orlando City. Le problème, c'est que là, c'est pas une doublure là. Trop cher. Non, je peux l'acheter en vrai. Peux l'acheter en vrai. Hein. On peut se le permettre. Prends Mohamed Ali Chou. Non, il est trop cher dans le jeu. C'est impossible. Je crame tout ton budget sur lui. Ah ouais, vous pensez? Il est bon. Non, non, il est chaud de fou, frère. Il est chaud de zinzin. C'est lui qui prend le. C'est lui qui prend le rinté, là. Il peut prendre les côtés aussi, Torres. Ouais, ça va. À tout moment, je suis dans la game en vrai, je serai éclaté. On est lié le petit crack algérien Mohamed Amoura. Je l'ai déjà regardé, c'était pas possible, mais c'est parce que j'étais en Ligue 2. Ah, j'ai pas allé tarder à aller dormir, les gars, je suis vraiment fatigué. Matisse, tel de Rennes, tu gagnes la L2C dans 2 ans. Frère, ça marche pas. T'es mon crâne. Amoura. Et dans quel club? Et dans quel club?
Lugano FC, Cimer. Alors, où il est? Il est en jeune. Tu vois pas, frère? 18? Ah, je pense que ça se fout de ma gueule. T'as pas de base de données étendue, je crois. Si, j'ai étendue, wesh. Après, je dois pas l'avoir dans la base de données, quoi. D'ailleurs, il n'existe pas. Non, mais c'est bon, les gars, j'ai pas besoin de 10 là. Hein. Là, si je prends le Torres que j'ai observé, là, c'est bon. Toi que vous passez à l'entraînement avec les joueurs sera la base de réussite du long terme. Il faut des ailiers. Ouais, là, il me faut plus des ailiers que autre chose. Il faut ailier droit. Ailier droit. Prêt terminé pour Portes. Désormais quitter le club, tant mieux pour eux. Joueur important, offrir un contrat. Reste encore du temps en contrat de ce joueur. Il n'y a que Gakuta. Mais est-ce que je vais. Il a 31 ans. Il a 31 ans, ça va, wesh. En plus, il est polyvalent, sa grand-mère. Ram à la rencontre des médias. Ouais, Abdé à gauche. Mais après, à gauche, j'ai déjà, quoi. Il est resté inactif longtemps. Vous vous notifiez la raison de l'échec de Frank Ice et les domaines dans lesquels vous pensez faire mieux. Ils sont séparés de Frank Ice, estimant que les objectifs qui avaient été confiés n'avaient pas été atteints. Pouvez-vous obtenir de meilleurs résultats maintenant? Allez-vous tourner vers votre ancien club pour recruter certains des anciens collègues et les intégrer à votre nouvelle équipe technique négative? Est-ce que quelque chose en particulier vous a poussé? N'avez-vous pas eu le moindre doute avant d'accepter le poste? Non. Estimez-vous avoir suffisamment de qualité au sein de votre effectif? Légèrement encouragé, négatif. Démoralisé, il est, wesh. Commentaire de l'attaché de presse. J'estime que la conférence de c'est plutôt bien placé. Ça va, frère, j'ai fait une bonne conf là. Ok, les gars. Envoyez vos ailiers droits là. Prêt terminé pour Kalimundo. Et attendez, faut que je redemande un prêt là du coup. Faut que je redemande un prêt fort. Il a des stats de zinzin. Offre de prêt, c'est reparti en légende. Ou transfert. Transfert direct, non? Attendez, 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 attendez. Ils veulent une offre. Prêt avec option, c'est mieux. Je peux pas faire offre de prêt. Je peux pas, ma gueule. Je peux pas. Putain, il va peut-être me falloir un buteur en fait. Comment je fais pour. Il faut que j'attende, non? Le truc, c'est qu'il y a Schalke qu'ils ont fait une offre, je crois. Bon, tranquille. Di Maria libre. Frère, abuse. Jamais je peux assumer le salaire. On est d'accord, jamais je peux assumer le salaire.
On va aller regarder les joueurs libres. Ounas, j'ai essayé, c'est trop cher. L'équipe du LOSC a fait une offre de 4,8 millions plus des primes ultérieures pour Arnaud Kalimundo. Nous, on a demandé 5 M. Attends, à l'entraînement, il n'y a rien là. Après, ce truc, c'est que je sais pas faire les entraînements. Ciao, le jeune de Porto. Vas-y, attends, je vais regarder. Je crois que je l'avais déjà vu, lui, pour la Ligue 2. Si, lui, je l'avais déjà vu pour la Ligue 2. En vrai, jeune espoir sur le point de percer. Observation nécessaire. Ah, il est vraiment trop fort, frère. Il est vraiment trop trop fort. Je vais faire que de le faire jouer. C'est barbé, hein. Alors, ils veulent pourcentage au profit de la revente 40%. Ils veulent 5 millions, ça va pas être possible. Ils veulent même 10 millions, ça on enlève. 3,7 millions. On va ajouter. S'ils mettent 30 buts, on leur donne 2 M. Si on gagne la Ligue 1, ils prennent 2 M. Avec au moins 15 matchs, ils vont jouer. Ok, ils veulent 7 M. Ah, c'est dur, frère. Après, ils voulaient 10 M au début, mais ils les voulaient tranquilles, quoi. Attendez, les gars, attendez, attendez, wesh. Attendez, attendez, arrêtez de spam les noms. Après, je peux leur mettre genre 3 M comme ça. Et ici. De M comme As. Ok, c'est passé. Après, ils m'ont mis, après apparition en championnat, 50 matchs, 1 million. Frère, j'accepte. Très bonne négo, non? Je peux faire des prêts aussi, non? Ouais, je peux faire, mais lui, j'ai envie de l'acheter. J'ai pas envie de faire un prêt pour ça. Ça va en vrai, on s'en sort bien, non? Conte a de grosses réserves concernant la négociation avec le club. Oh putain. Il veut être joueur, veut. Ah ouais, c'était ça, c'est le même problème. Parce que je pouvais l'acheter avec. Je crois son agent, il casse les couilles à lui. Il me semble que c'est ça. Hein. Et le. Ouais, je vais juste le rincer. Après, il veut tellement de salaire, ce bâtard, débuter une négociation. Ouh là là, bénéficiera d'une grosse augmentation de salaire. Choix à son poste et dans son rôle préféré. Ça me va. Ailier intérieur, c'est ce que je veux. Tendra de renforcer l'équipe de mer dans le vœu de nouvelles. Ok. Ok, donc il veut que je recrute des attaquants aussi en plus. Les objectifs sur le long terme sont. Retire tout ça. Ça, je peux enlever Zarma? Il va pas chialer. Enlève les promesses. Ça me va, tentera de renforcer. Comme ça me va. Ça, je peux laisser pour du bullshit. En train de renforcer l'équipe première dans le domaine suivant, veut de nouvelles recrues pour renforcer l'équipe en attaque. Ouais, ça, on peut enlever. Ok. Il a tout remis. Si j'enlève ça.
Ok, ça va. Alors, négociation de contrat. Suite à notre précédente conversation, mon client n'est pas persuadé de vouloir rejoindre votre club. C'est pour ça que je vais attendre de vous transmettre une offre afin de faire part de ses demandes. Là, ça, c'est son contrat actuel. Parce que là, ça va, c'est 4 ans. Il fait trop la star, parce qu'il sait qu'il est... K mini, j'ai mis 100K. Il a demandé 187K, frère. Zinzin, lui. Ça dégage. Ah, vraiment, ça dégage. Ça dégage. Hop. On va négocier, frère. Ça, déjà, ça tège. Ça va baisser fort. Ça va baisser quand même. Je vais rincer son agent comme ça et 20 passes D, 15 passes D. On va laisser le 15 et le 20. Ils ont remis 10, ils sont remontés en prix. Un virgule deux, 50K. Parle un peu. On va mettre 5% ici. Ok, ça me va en vrai, hein. Exclu le 10%. Ça va en vrai, hein. C'est cher. C'est normal que c'est cher, wesh. Les gars, c'est normal que c'est cher. Trois joueurs sur quatre minimum EU, c'est bon. Ça me termine. Ok, du coup, à droite. Eh les gars, si je fais pas. J'hésite à récupérer Copado. En vrai, je bicrave Ganago et je récupère Copado aussi. À vie? Je peux faire Copado ou pas du coup? Il a pas de contrat là, mais frère, viens là, Miguel, proposer un contrat. Jeune espoir sur les points de percée. Joueur de rotation. Ils l'ont pas, ils l'ont pas, ouais. Ils l'ont. Frère, je le prends direct, finaliser l'accord, merci. Hop. Ganago maintenant en liste des transferts. De quoi voulez-vous parler? J'ai l'impression que ça ne veut pas dire que vous partirez, mais vous citez l'intérêt, je veux savoir si c'est sérieux. Ça ne va pas du tout, il s'agit de ma carrière. Après tout, je ne vais pas comme utiliser cette manière pour voir ce qui va se passer. Ah merde, il va péter son crâne. Heureusement, on est loin de. Mais le vent pas, il est bon. Ah, je peux pas, frère. Bonne chance, frère.
Pourquoi t'as fait ça? Mais parce que j'ai envie de le vendre en fait. Je recrute Copado, je viens de le recruter. Et du coup, je vais prendre Kalimundo et je vais vendre Ganago. Parce que Ganago, après, je ne vais pas avoir 15 buteurs, frère. Abosé au club. Propose Bacon. Leonardo Fernandez. Merde, je suis un ouf. Je crois qu'il est pas dans ma game, frère. Voilà, c'est. Voilà, frère. 3,8 millions d'euros. L'offre est acceptée. Merci pour les bons moments. Comme c'est Copado, il y a plein de monde dessus. Il a reçu quoi? Il a reçu quoi comme offre? Là, je vais pas proposer un bon salaire, hein. Offre négociée pour Kalimundo. Les Paris Saint-Germain réclament 5 millions d'euros pour Arnaud Kalimundo. Juste ils veulent la pourcentage à la revente, peut-être baisser. Ouais. Je baisse un peu ici, on peut négocier quoi. C'est quoi ça? Ah, en gros, ils veulent mettre une clause où ils peuvent le racheter. Là, je suis baisé maintenant. Je crois qu'ils ont bloqué à 13 millions. Je crois qu'ils ont bloqué à 13 millions max. Du coup, vas-y, je vais l'acheter moins cher, frère. Et je crois qu'ils l'ont mis en... ouais, ils l'ont mis en obligatoire, hein. Faire date des débuts 2024 minimum. Ça me va, frère. Je pense que j'aurais pu mettre beaucoup moins en vrai. Ça me va, frère. Il reste jusqu'à 2024. Je fais forcément une plus-value dessus. Ça fait n'importe avec la date, là. Ah, pourquoi, wesh? J'ai mal compris? Prix de retour, là. Normalement, en fait, il voulait avoir la possibilité de le faire revenir en 2023. Ah, merde. C'est la date d'expiration? Ça me va, frère. De toute façon, je m'en fous. Je voulais juste avoir un truc. Vas-y, il me casse les couilles, frère. Ça va, ça s'est bien passé. Je déteste les journalistes, frère.
L'offre du RC Lens. Oh le bâtard. Oh la dinguerie, je me suis fait baiser de fou. Non, ils lui ont proposé 19 000. Bah ouais, moi je pensais que c'était barbé quand j'ai commencé à négocier le contrat. J'aurais dû demander. J'aurais pu lui donner 25K, frère. Oh la dé. L'imbécile, il a niqué sa carrière. Change l'offre et donne-lui. Mais je peux pas lui donner, non? C'est trop tard, là, il a signé, frère. Ah, c'est ça, je peux pas. Ah, je vais pas, là, je peux pas l'acheter, frère. C'est bon qui vaut bien. Un bouffon, moi. Je suis pas un bouffon à ce point. Mais attends, du coup là j'ai 0,9 là. Vu que Kalimundo il refuse de jouer pour moi. Ganago, j'ai niqué la relation, il va jamais jouer pour moi. J'ai plus de 9 là. Ok, attendez. Les attentes. Junker, ok. Du coup, là, il me faut. J'ai plus de 9 là, on est d'accord, hein. Oh, d'accord. J'ai le meilleur 9 du monde, frère, wesh. Dortmund, ils ont toujours des cracks de zinzin. Il a quand 18 ans, frère? Ah, FF. Le 20. Ah ouais, le 20 novembre, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ikitike, mais je crois qu'il a été recruté dans le jeu. Je crois que je vais aller dormir, les gars. Ouais, Mercato hivernal, je vais l'avoir, mais. Julian Alvarez. Lorenzo Lucas, c'est vrai que vous avez spam son nom. Lui, je l'ai déjà regardé tout à l'heure, non? De toute façon, c'est en prêt fort, hein. Ouais, j'abuse, frère. Mon client ne sait pas discuter d'un prêt au RC Lens, ok. Lui, il s'achète, lui. Hein. Après, je sais même pas, il me reste combien d'oseilles, frère. Ok, virement biannuel. On va enlever ça. Quarante pour cent, je vais le 14M. Ok, je vais augmenter ça. Je crois qu'il va péter 30 buts en Ligue 1, frère. S'il le fait, c'est FF, mais attends. Ça me va, hein. Merci Yahya. S'il me claque les 30 buts, j'ai envie de canner, frère. Commence pas à claquer 30 buts, frère. Il va le faire. Frère, après, s'il claque 30 buts, on est humble.
Lucas hésite à négocier avec le club. Vas-y, qui vaut mieux, frère, respecté. Joueur vedette, bénéficiaire d'une augmentation de salaire. Le problème, c'est que joueur vedette, wow, vas-y, va te faire enculer, mec. Vas-y, s'il te plaît, frère, s'il te plaît, wesh. Abuse. Paye, abuse, abuse. Abuse, abuse, abuse. Et je peux pas l'avoir, hein, c'est impossible. Hein. Donne-lui, je peux pas lui donner, frère, j'ai pas d'oseille. Là, je peux pas d'oseille, frère. Comment je vais pouvoir le payer, frère? Frère, là, oh. Ça y est, réduit un peu tout, frère. Je vais vomir, là. Le problème, c'est que j'ai fait que tout baisser, frère. C'est impossible, frère. C'est vraiment barbé. Il y a rien à négocier là. Des Prime. Achète Copado Cram. Mais vas-y frère, il vient de signer. Je suis un sgeg moi. Il est même pas revenu vers moi. Nul. Nul, nul, nul. Ouais, je suis, il est pas mal, hein. Contre. Ah bah c'est Valero, je suis un ouf. En vrai, ça passe crème. Je sais pas s'il le donne en prêt, je pense pas. J'aime pas cramer que c'était lui. Regarde l'Ozek. Attendez 2 secondes, les gars. Content, blessé, il s'attendait à mieux. Ah non, c'est parce qu'il pense. Mais wesh, il s'attendait à mieux ou c'est quoi le délire? Au final, ils sont gagnés. Ah mais je voulais dire qu'on fa... on fait au moins 10e, wesh. Si tu, frère. C'est vrai que j'ai recruté Skrack déjà. Les yeux en froid avec son vestiaire. Vas-y, t'inquiète, c'est bon, c'est barbé. Ok, bon. J'ai un mal de crâne de zinzin là. Faut que je fasse une pause. Je vais dormir, frère, y a pas de potion. Il va pouvoir faire la. Il va pouvoir faire le bail là. C'est numéro 10, hein. Après, si j'enlève le numéro 10 à Kakuta, il va chialer. On va mettre numéro 30 comme Messi au début. Calme. Attendez. Du coup, il me faut des neufs là. Hein.
Le 10, c'est bon, j'ai déjà, frère. Ok. Oh, j'ai mal au crâne. Du coup, attendez, qu'est-ce qu'il me faut là? On avait. Vas-y, faut que j'aille voir l'effectif là. J'ai pété mon crâne, il y a tellement de trucs. Valero, est-ce qu'on peut l'avoir en prêt? Je suis à flemme de mettre 5 millions, frère. Oh, il est payé 167 000 euros par mois, frère. Je veux 40%, moi, c'est tout. Oublie, oublie. Oublie, oublie. Parce qu'en début de saison, il y a le temps encore. Hein. Il y a le temps, il y a le temps. Vas-y, attendez, tactique. Du coup, on a dit Ganago, il style. Roba, il peut jouer un peu partout. Du coup, en 9, j'ai personne. J'ai plus personne. Comme ça, c'est réglé. Simon Banza. J'ai l'Arzou. Ça peut faire l'affaire, hein. Ça peut faire l'affaire, mais il m'en faut un top, quoi. Conte Ciao, il va à droite, 100%. À gauche, j'ai Robay et Pereira da Costa. Lui, style. Lui, style. Il est dans la liste de prêts. Ah oui, c'est vrai que j'ai recruté Bolasie, frère. C'est vrai que j'ai recruté Bolasie, frère. Bolasie ici. Tom Ducrot. Est-ce qu'il a 8? Ça va, il est pas nul, hein. C'est pas une dinguerie non plus. Je pense milieu, on est bien. On n'a pas forcément besoin de recruter, j'ai des petites doublures, j'ai des titulaires de zinzin. Ah mais il va vraiment mettre Bolasie tuto. Bah encore heureux frère. Défenseur central, c'était un peu la Hesse, je crois. Hein. Non, en vrai, ça va en vrai. Hein. En vrai, on peut investir sur d'autres postes. Faut un BU, frère. C'est bon, Ismaël Boua. C'est vrai que j'ai pas de latéraux par contre. Ça va être un chantier, ma gueule là. Il y a du taf. Vas-y, on se focus sur les 9. Il me faut 2 9. Non, en vrai, il me faut un 9. Il me faut un 9 titulaire, j'ai la doublure. Il me faut un 9 titulaire, j'ai la doublure. Wesh. 17 de détermination. Le courage, ça sert à quoi en vrai? C'est très bien. Cesco avec un bon montage financier ou bien Lozec. C'est vrai, Lozec, j'ai pas check. Après, je vais regarder Cesco. Alors, Lozec. Lozec. Est-ce qu'il va assumer des titulaires, tu vois? Le problème, c'est que 7,4 millions de base là, ils vont m'allumer la gueule, frère. J'ai combien d'argent là? Après, je vais vendre plein de joueurs là. Je vais vendre plein de joueurs. C'est un crack. Ok, attendez. Je vais pré-shot 55 millions. Profit de la revente, je mets 45, 40%. Hop. Versement biannuel, hop. 2 millions. Okay, là, ils vont mettre 50% du coup. On peut remettre 40%. On veut baisser absolument ça, comme ça on n'a pas besoin de payer très cher.
Je remets 50%. Ok, ça me va. 10 millions. Mais ils ne souhaitent pas négocier un contrat. Je pense pas que leur séance est un effectif. Ah ouais, nique ta mère. Nique ta mère, frère. Cavani, la casette, mais Cavani, je crois que je vais le payer quoi, frère? Qui est la vis? Ça augmente. Nketiah, vous m'avez dit non? Après, je pourrais jamais l'avoir, wesh. En frais, peut-être. Je sais pas s'ils donnent en frais. Je sais pas s'ils s'en servent, en fait. Non, c'est impossible. Les gars, vous m'envoyez des offres de zinzin, wesh. 282 000 par mois, frère. Ils vont jamais me le donner en. Origi et Slimani sont libres. OMG, Slimani, c'est vrai qu'il reste Sesko. Sesko. Ce contrat avec le RB Salzbourg. Il n'y a pas de prêt. C'est que je peux pas mettre wesh, 5 millions, ils vont me dire nique ta mère. Je pense que c'est impossible, frère. C'est pour ça que je vais faire. J'avais mis la. Je voulais regarder. Putain. Brenner ou Arezzo? Merde, wesh. Brenner, je connais déjà. Permis de travail pour transfert vers Leeds le 9 juillet 2022. CFF déjà. C'est mort, il se barre. Ah, il a déjà accepté, c'est ce que je pensais. Ils m'ont répondu ou pas? Ils m'ont pas répondu. On va aller rouge. On peut pas payer, frère. Défensif de 29 ans. Après milieu, je suis bien déjà. C'est dur, frère. Hein. Balogun. Problème, c'est que j'ai beaucoup de trucs à faire. Hein. Ah, poteau. Il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Wesh, comment il bombarde? Arsenal, ils veulent trop que je paye tout, frère. Il veut pas discuter de façon impossible. On va aller. Ok, c'est bon, ça c'est fait. On récupère 4 millions, hein, en cash et en liquide, hein. Ah, c'est dur les neufs. Oh là là. Est-ce que vous pensez que je peux. Ah, mais non, il veut pas négocier ce bâtard. Il veut pas négocier, Kalimundo, il veut plus, il veut plus. Il veut plus cette smoke, frère. On va réessayer, ça se trouve, il a changé d'avis, ça. Espagne. Oh. Frère, bonne chance, hein, je suis obligé de baisser tout. Frère.
Asine qui est vos mères, vous aussi, ouais, je suis 21 millions. Je peux pas payer, frère, je peux pas payer, j'ai pas d'argent. C'est que ce bâtard, il va. Non, en vrai, il est payé 21 000 par mois, mais bon, 21 millions, il va me demander une dinguerie. Là, on est d'accord, j'ai pas l'oseille, hein. Ouais. Budget salarial, pour l'instant, je suis à... Si, en vrai, j'ai les thunes, non? Hein. J'ai l'oseille, largement. Parce que le salaire, on est loin encore. Hein. Et ça, je le paye au cours dans l'année, quoi. On va faire Cesco, les gars. C'est un crack de fou, 19 ans, guettez les stats. C'est sûr que je fais une méga plus-value dessus. Ah, lui, il veut toujours pas. Je compte récupérer. Et il veut pas négocier aussi, frère. Il n'y a personne qui veut négocier à Lens. Le boss de fin de jeu, bah FF, frère, il n'y a personne qui veut négocier à Lens, frère. Il n'y a personne qui veut négocier à Lens, il n'y a personne. Sanabria, depuis tout à l'heure, vous spammez ça, je vais aller voir. Ah, mais frère, ah, il est bon, hein, mais il est cher, wesh. Attends, faut que j'aille voir dans... C'est dans quoi? C'est dans recrutement, transfert, non, recrutement. Recherche de joueurs. Mondiale. Comment ça, Harry Kane? Attendez, l'argent. Le truc, c'est que Origi, les gars, il prend cher, hein, je sais pas. En plus, il voudra pas jouer ici, je pense. Une Barbo Doumbia, à l'ancienne. C'est bien, mais vas-y. Est-ce que c'est ça qu'on veut, frère? Est-ce que c'est ça qu'on veut, frère? Un petit an. Ça check, hein. Oh, Carlos. C'est pas ça, hein. Ivan Barbero. C'est pas trop ça, les gars. Eredivisie. Comment on écrit, frère? Pays-Bas, frère.
Je vais voir la saison précédente ou pas? Bah, c'est sûr que je peux voir. Maintenant, c'est où? C'est où pour voir la saison d'avant? Ah non, mais là, je vais aller chercher à la main, frère. Vue d'ensemble, phase. Ok, c'est merde. Ouais, mais c'est. Et après, je veux la même vue, en fait, dans le profil. Je veux savoir les stats des joueurs de l'année dernière, quoi. Je t'en conjure, retourne voir Luca. Ouais, mais Luca, c'est fini, il joue à gauche, non? Ah non, mais c'est lui. C'est lui que j'avais mis observer, c'est ça? Ah, je vais jamais pouvoir l'acheter, les gars, impossible. Wesh. Non, historique du joueur, ok. Ah, j'avais déjà fait une offre, non? Je peux pas, frère, je peux pas payer, les gars. Vous me cassez les couilles pour rien, voilà. Putain, je suis dans la merde, frère. Attends, faut qu'il fasse les matchs amicaux, là, l'adjoint. J'ai pas que ça à foutre. Ça, il est pas mal, lui, hein. Lauritsen. Parce qu'il est déjà payé. Wesh, il est monstrueux, ce mec. Il est vraiment bon, lui, hein. Ransford, c'est un crack. Mohamed Ali Chou, c'est pas possible, les gars. Il a 20 ans. Il joue un peu partout en vrai. Joe Minkiu. La légende. Quinze en finition. Il nous faut un vrai tueur. Frère, il coûte rien. Puissance, finition, courage, bon partout. Je comme pas trip. Il a de belles stats et tout, hein. Frère, il joue, hein. C'est où les deux pieds? Pour voir s'il a les deux pieds bien. Ça, meilleur pied. Et là, sous B2, je sais déjà. Vitesse. Frère, il n'a pas besoin d'aller vite. J'ai que des jeunes sur les côtés. Vas-y, frère. Un peu d'expérience dans l'équipe. Bon, là, c'est très jeune, très très jeune. Bah, vas-y, c'est dur là, les gars. Voilà, c'est dur, frère. Ma prière. Lui, ça peut être un. Wesh. Entre 55K et 6 millions. C'est un bon latéral, non? Gros volume de jeu. Il est chaud en anticipation. 13 d'accel, 13 de vitesse, c'est ok. Je trouve bon. Hein. Bon, après, centre, c'est pas dingue, mais vas-y, nique sa mère. Détermination pourrie, le prend pas. Après, tranquille, wesh. Ouais. Pire, Bolasie en 9, je te jure. Hein. Ça commence à me casser les couilles, les 9, là.
On a prière. Mbala, Enzola, ok. Ça va me dire un book que je peux pas acheter encore. Spezia. Ok, stade de zinzin. 14 d'accel, 13 de finition, 16 de vitesse, de la puissance, équilibre, détermination. Pas à vendre. J'essaie quand même. Une offre à 2 millions, ils vont me cracher à la gueule. Un bon Ola Camara de Washington. Merde, merde, attends, faut que je staff. Responsabilité vue d'ensemble. Match, s'occupe des causeries d'équipe. Match amicaux, on délègue. Il y a plein de bons joueurs libres. Pas encore, hein. Ça va être chaos sa grand-mère, mais vas-y, je veux pas aller dormir si je trouve pas un œuf, frère. Je vais pas aller dormir si je trouve pas un œuf. Marcos Leonardo. Quinze d'Axel, 15 de film. Mais c'est un monstre. M. Un prêt, ils prennent ou pas? Ouais, ils prennent pas. Ah, j'avais pas vu 1m71. Tranquille, wesh. Mais si, il est petit. Après, bon, il joue pas neuf, quoi, mais... problème, c'est que vous m'envoyez un prêt, mais tout le temps 0% de salaire. Normalement, ils acceptent pas. Ok. Karim Adeyemi, mais c'est vrai que je mets... wesh. Ok, 5 à 8 jours. Vas-y, commence pas, frère. Alvarez Martinez. C'est vraiment la soirée dure de FM, là. C'est un monstre. Il est un peu plus grand que l'autre, faire une offre. Deux clubs intéressés, Blackburn et Fulham. Lui, il y a moyen qu'il coûte pas si cher que ça. Hein. Il y a moyen, il y a un monde. J'ai commencé à baisser les tarots, donc je m'énerve. Ils aiment trop ces 50 matchs. Hein. Vas-y, 50 matchs au Dogbot alors. Si M, c'est barbé. C'est bon, frère, ça y est. T'es relativement intéressé par une occasion, mais estime qu'il y a d'autres options intéressantes. Ta grand-mère commence à venir. Il bénéficiera d'une grosse augmentation de salaire. Il veut être quoi? Joueur important? Tu l'es régulier, c'est bien déjà. Ça, tu m'enlèves ça. Joueur important, c'est bon alors, c'est bien. Joueur important, on peut y aller. Fils de pute, tu passes de 40K à 152 000 par mois. Arrêtez! Arrêtez! Salaire après sélection internationale. Et frère, il va négocier avec le coach, je vais lui donner de l'oseille.
Prime à la signature, 1,6 million, faut aller se faire baiser aussi. Vas-y, c'est bon. Vas-y, 111K. Ça me va parce que franchement, j'ai rien là. On va falloir faire des prêts maintenant. Faut aller niquer ça. Faut aller se faire foutre là. Bien négocié. Ça va en vrai. Ok. Du coup, j'ai mon 9. Fofana Berg. J'ai quoi en latéral gauche? Aïdara. C'est excellent, Aïdara, frère. En fait, il va juste me falloir des doublures là. C'est quoi la blessure? 3 semaines de moins. Charles Boly, est-ce qu'on s'en séparerait pas en ça là? Après, j'ai personne à droite, hein. En doublure pour Conte Ciao. Roba, il peut jouer un peu partout. Tranquille, ça fait des joueurs en plus. Mawasa à gauche. Comeback de la Russie, va te faire foutre. T'as trop de hors UE, non? Non, non, non. Il m'en manquait un dans la liste. Ça, si vous avez des astuces ou quoi, envoyez. Hein. Vous devez confirmer l'effectif préliminaire. Frère, je veux pas, de toute façon, casse-toi. Manque un arrière droit. Bah attends, déjà, Fofana a discuté de l'avenir. S'il te plaît, frérot. Voilà, on est dans la merde déjà. Après, il a vu trop de gens venir être bien payés. Il a dit, ça y est, moi aussi, frère. Commence pas, ma gueule. J'estime ne plus rien avoir repris, je souhaite rejoindre un plus gros club. J'avais déjà dit à votre prédécesseur, il me semble donc normal que vous le dire également. Frère, on va gagner le titre. On va gagner le titre, ma gueule. On va gagner le titre. On va gagner le titre. Je comprends que vous souhaitez me garder, malheureusement, rien ne sera resté. Je trouve que je suis plutôt raisonnable pour l'instant, alors je vous conseille de bien réfléchir avant de que je perde patience. Frère, je suis obligé de forcer. De toute façon, il a un contrat, ma gueule. Je m'en fous que son moral il soit pas bien au début, là. Il y a le temps, de toute façon. Vends le cher alors et achète un crack. Frère, le problème c'est que le vend le cher, je le vends à combien, wesh? Inzaghi à la tête de Strasbourg, qui l'eût cru? Son capitaine et leader. Bah ouais, mais frère, c'est ça le problème. Il y a des problèmes là. Vends-le pas. Moi, je vais pas le vendre et on va aller loin. Ok, du coup. En ça, à droite, je me démerderai avec Robaye et tout. Il y a un bail à faire, t'as vu? T'as vu, il y a un bail. Kakuta. Il est observé par qui lui? Non, il n'y a pas de prêt, frère.
J'ai pas fait. Il me faudrait un petit prêt sur un mec. Sur un mec. Putain, tout le monde soutient Fofana. C'est vrai que Ferrat. Non, ils l'ont prolongé, ces bâtards. Ils l'ont prolongé fort. Dégoûté, frère. Offre négociée pour Leonardo. 30, 40 millions, mais arrachez-vous de là. Ah, les bâtards. Bon, vas-y, les gars, je crois que je vais aller dormir. En vrai, il est 4 heures, hein. Choix des bonus collectifs. Ah, poteau. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il me casse les couilles si je baisse trop. Ils vont gueuler, c'est sûr, hein. Les joueurs mécontents du traitement de Seko Fofana. Mais frère. Ils sont tous dépités, frère. Je dois le vendre, mais je vais le vendre combien, wesh? Je peux pas le vendre, frère. Vends-le 20 millions. 20, 25. Frère, je prends qui à 20 millions, wesh? Ah, je suis dégoûté, sa grand-mère. Non. 30 millions, nique sa mère. 25, t'es bien de fou. Attends, mais je récupère combien sur la vente aussi, tu vois? Benacer pour 20 millions, mais jamais Benacer il va négocier chez moi, c'est ça le problème en fait. Les gars, en fait, le problème. Le problème, c'est que si. En fait, ça va être trop dur de ramener des gens à Lens, en fait. C'est trop dur, les gens, ils veulent pas venir à Lens, frère. Ils vont te sauter, les joueurs, là. Moi, je pense, on peut, t'as vu? Vas-y. Je vais le vendre hors de prix. C'est ça la strat, t'as raison. Je fais Zama, je vais le vendre hors de prix. Et après, bonne chance, frère. Je ne craque en prêt, sinon. Non, non, mais là. Offre de Leicester. Mais nique ta mère, 12 millions. Déjà, c'est. Ouais, c'est 30 millions en cash, frère. J'envoie direct 30 millions en cash. Bats les couilles, frère. Prendre patate, je le ramène moi-même à l'aéroport. Vas-y, frère, ça me casse les couilles. J'étais bien au milieu. Je commençais enfin à sortir de la Hesse. Ouais, c'est qui, lui, il est chaud? Chambly, je refuse. Tiens, dans vos mères. France Sangaré du PSV. Attends, on va voir combien il y a eu. Offre de Leicester.
Montant du transfert, 34 millions. Ah, déjà, les gars, c'est 20 millions ici, minimum, frère. Fait 10 matchs en championnat, je prends 2M, frère. Eurocup, je prends 5M, frère. Ouais, ils ont tout enlevé, sa grand-mère. Et 20 matchs, ça sera 10 matchs. Et c'est 20 millions quand même. Ils le veulent vraiment, sa grand-mère. Hein. Ok, ils veulent une offre truc. Négocie 30M. Ça me va, moi, frère. Mais 20M cash. Mais de toute façon, il part pas s'il n'y a pas minimum 20M cash. Déjà, on est d'accord sur ça. Fofana n'intéresse plus Leicester. Dommage. Hey, je vais faire la même chose pour tout le monde. J'ai pas réussi à te vendre, ils veulent pas payer, wesh. Les gars, les bails de vestiaire et tout, la saison elle est loin. Hein. Ils oublient les joueurs. Hein. Attendez, attendez. Il me faut quoi là? Concrètement, il me faut quoi? Ils sont tous observés, ils sont tous sur la liste de transfert. Mais vas-y, faites des offres, je vais péter mon crâne, frère. Ça va niquer ton début de saison, c'est la vie, frère. Grady. Ça joue Grady, ça. C'est Grady, Danso. Après, m'a dit de courir tout à l'heure, c'est ça? Le truc, c'est que c'est plus un. Un milieu qu'un. Array MB. Ah, je sais pas. On va attendre. Merde, 4 heures, sa grand-mère. Je me réveille à midi demain. Ça va. On s'est engaré du PSV. Non, il va rester, je jure, il va rester, frère. Il est pas dégueu en vrai. Hein. Mais en vrai, pourquoi je le montrais pas en équipe 1, lui? En ça, tout ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas une grosse déter, donc il peut pas bien progresser, mais pour un défenseur central, il est pas mal du tout, non? Il est vraiment pas mal du tout, hein? Comme j'ai Kubo, j'aurai jamais l'argent pour. En voyant senior fort. On va l'emmener en. Moi, je crois que ça va aller dormir, les gars. Je crois que ça va aller dormir, hein. On finira ça la prochaine fois. Faut que je fasse le staff. Tu vas jamais en Ligue des Champions en vrai. Je sais pas, hein, on a des bons petits cracks là. Si ça sépère, si on va en Europa League, c'est déjà bien. Hein.
Vas-y, bonne nuit l'équipe, dormez bien. Et à demain. Non, demain je stream pas, je suis un ouf. Demain il y a la Trackmania Cup. Donc je vais regarder, je pense pas que je vais stream demain. Vas-y, bonne nuit l'équipe. Je vais éteindre mon...